Quel est le problème spécifique que ton client a? Your client avatar, what's the specific problem that your customers have? Quel problème spécifique tes clients ont et tu as la solution? OK. Maintenant, si ton client n'achète pas ton produit ou ton service, quelles seront les conséquences dans sa vie, dans leur vie? Écris les conséquences. Trois conséquences. What will be the consequence of your customers if they are unable to get your products, if they are unable to buy your service? Montre, écris trois douleurs graves qu'ils auront. Les conséquences s'ils ne consomment pas ton produit, que ce soit le produit ou bien le service. So write in the chat three consequences that your customers or your clients will have if they don't consume your product or service. OK, j'aimerais que tu réfléchisses encore et tu donnes encore trois conséquences de douleur encore plus fortes s'ils ne consomment pas ton produit. Tu as donné trois, je veux que tu donnes l'autre encore plus grave que ce que tu viens de donner. We have given three reasons, but we want even three more serious reasons. More serious than what you have given already. Three more serious reasons why your customers will fail or what consequence they will have if they don't consume your product or service. Maintenant, j'aimerais que tu fasses la transition et tu me donnes trois bénéfices de ton produit. Trois bénéfices. Transit de la douleur à l'avantage, au bénéfice. Trois bénéfices. Right now, I want each and every one of us to give three benefits or three advantages of your product or service. Tu es en train de dealer avec ton client
l'avatar à ce client-là. Donne-moi trois bénéfices de ton produit. Souviens-toi que tu es en train de stopper une douleur. Tu es en train de résoudre un problème spécifique. Et le client est venu vers toi parce qu'il a cette douleur. Et maintenant, tu es comme le médecin. Tu es en train d'appliquer la solution pour résoudre cette douleur. Donne-moi trois solutions que ton produit répond à ça ou ton service. So give three things, three benefits of your product or service. So transit from the negative and just put yourself in the position that you're talking to this avatar customer of yours. You want to give me three benefits of why I have to consume your product or service. Donne-moi encore trois autres bénéfices, grands bénéfices de ton produit. Trois autres. Tu as déjà donné trois. Donne encore trois ce que ton produit produit ou ton tes services. So after giving the three main advantages or benefits of your product, give three more main benefits of your product or your service. OK, dernière question. Sûrement, le marché là où tu te trouves, il y a beaucoup d'autres gens et beaucoup d'autres gens qui apportent aussi leurs services. Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui fait de ton produit un produit unique? Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui te qualifie comme expert dans le domaine? Et pourquoi est-ce que le client doit acheter chez toi et ton produit? En quelques mots. So in the market where you are, you most likely have competitors or you have people who are offering the same product or service. Here, I want you to give the reason why your product is unique, why you're an expert in the field, or why your customer has to buy this product from you. In a few words, just give us reasons why your product is unique, why you're an expert in the field, and also why they should buy from you.
Okay. I think if you actually have, if you answer all these questions, or if you are answering, it should make you think. Because the reason of for the question is to make you think, is to cause you to think. Now, if your product or service are not answering all these questions, and it's not very clear, very, very clear, you could be very, very confused. Donc, le coach dit que si nous avons pu répondre à toutes ces questions ou si nous n'avons pas pu, ça doit nous pousser à réfléchir parce que tous nos produits et nos services doivent être capables à répondre à toutes ces questions parce que ce n'est que ces questions qui peuvent nous mettre à un certain niveau dans le marché. Je veux prendre un cas. The majority of people speak English or French. C'est lui le professeur, hein? C'est lui le professeur là qui donne le cours en ligne. French. French. Yeah. Moi, j'ai fini. Je crois que je veux certainement. French. Okay. Je veux faire un peu un case. Je vais faire l'analyse un peu pour illustrer les questions que j'ai posées. Quand tu vas, je vais prendre un exemple très banal et ce qui est un peu commun. Quand tu vas dans un coin de la ville, les gens ont parfois les bars. Les bars, les snacks, je vais prendre un bar par exemple. Un propriétaire de bar, si quelqu'un veut ouvrir un bar, il doit d'abord se poser la question. C'est vrai qu'il vend de l'alcool ou de les bières ou tout cela. Quelle est la douleur de mes clients? Pourquoi les gens viendront dans mon bar? Parce que les gens n'achètent pas le produit. Personne n'achète des produits. Les gens payent pour résoudre un problème de douleur, pour annuler ou stopper les douleurs. Donc, quand quelqu'un va dans un bar, on peut décrire au moins 20 raisons pourquoi les gens vont dans un bar. Et tu verras que chaque fourchette de clients chaque fourchette de clients vient par rapport à une raison précise. Et si ce bar ne répond pas à ce besoin, les clients ne vont pas dépenser de l'argent. Donc, je prends l'exemple d'un bar, normal. Quelle est la fourchette des clients qui viennent dans un bar, par exemple? Première fourchette. Les gens qui sont en train de chercher à s'associer, qui cherchent l'association, donc qui cherchent l'environnement des divers, là où ils peuvent bavarder et se oublier un peu comment leur journée s'est passée en changeant leur état avec l'alcool. Donc le problème, ce n'est pas seulement l'alcool, parce qu'ils peuvent acheter un casier de bière et aller boire à la maison. Donc on ne va pas en bas payer 3 fois le prix juste pour avoir le liquide. Les gens cherchent l'association. Certains gens, c'est l'association, les divers. Maintenant, en tant que propriétaire de bar, si tes clients, la grande fourchette de tes clients, viennent à cause de cette association, tu dois encourager soit les débats, soit l'atmosphère des divers, là où tout le monde se sent confortable pour parler de tout et de rien, par exemple. Et peut-être tu dois même spice avec le genre de serveur ou serveuse
qui sont des bavards, qui savent entretenir les clients et en les mettre dans un état relax. Encore, quel est le problème de tes clients? Pourquoi ils viennent dans ton bar? Parce qu'ils veulent se relaxer. Maintenant, un autre bar, même chose, ils vendent la boisson. Peut avoir des clients qui ont un autre problème. Il y en a qui vont au bar parce qu'ils veulent se piquer une petite ou parce qu'ils veulent une relation. Ce n'est pas pour les divers. Ils veulent piquer une petite ou la petite veut aussi parce qu'ils veulent se piquer un mec. Ce genre de bar, l'atmosphère doit être différente. Ce n'est pas pour les bavards maintenant. Maintenant, peut-être, toi, le barman, tu dois avoir les belles filles qui servent, pas des vieilles mamans. Tu dois créer l'atmosphère qui doit répondre parce que le client ne vient pas payer trois fois le prix d'une bière normale juste pour voir peut-être les mecs qui bavardent trop ou bien les vieilles mamans qui servent. Problème complètement différent. C'est pourquoi certains gens ont leur modèle de bar qu'ils appellent peut-être snack bar. Quand tu vas dans le snack, l'atmosphère est un peu différente du bar vriguet normal. Maintenant, tu as encore une autre fourchette de clients qui vont aussi au bar ou bien dans les snacks. Certains vont et qui cherchent un lieu calme, peut-être pour discuter affaires, ou alors pour passer le temps, un temps d'intimité avec les amis. Et ils sont prêts à dépenser 500 000, 1 million, payer le champagne à 150 000. Environnement. Quel est le problème de ce client? Ce n'est pas l'alcool. On vend le champagne peut-être on peut vendre le champagne à 10 000, 15 000, mais il traverse la boutique, il vend le même champagne à 15 000 et il vient payer à 150 000 dans ton bar. Quel est son problème? Les gens ne payent pas le service, les gens payent l'expérience. Et les gens payent pour éviter une douleur. Chacun d'entre nous, nous mettons les mains dans les poches pour sortir de l'argent, pour bloquer la douleur. Ou alors, pour acheter une expérience. Ça veut dire payer pour le plaisir. Tu dois te demander. C'est pourquoi j'ai posé la question par rapport à la douleur. Quel est le problème que ton client a? La douleur peut être le fait d'être seul, le manque de connexion. Ou bien juste chercher là où c'est pas nuit. Je continue avec le bar. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple de bar. Peut-être qu'il y a même pas des gens qui ont le bar dans la salle. Mais c'est quand même un peu vulgaire. Et ça peut s'appliquer n'importe où. Maintenant, nous avons un autre genre de bar qui résout un autre problème. Ce qu'on appelle le genre de bar avancé. Là où quand tu vas là-bas, tu payes le champagne, on allume le champagne et on commence à chanter avec ton nom. Ça résout un autre problème encore. Maintenant, ce propriétaire de bar ou de boîte de nuit qui est une conversion de bar a une autre philosophie. Quand les gens vont là-bas, quel est le problème? Quelle est la douleur qu'ils ont? Pourquoi quelqu'un peut partir d'un bar, traverser un bar, là où on vend un whisky à 10 000 et aller payer un whisky à 110 000? Parce que le problème, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le whisky. Il y a un problème derrière cela.
C'est pourquoi très facilement, chacun peut payer. Et chacun peut payer seulement si tu peux résoudre ce problème. Premier problème, la connexion. Bah, là où il y a les le bavardage. Le loneliness. Comment est-ce qu'on dit loneliness en français? La solitude, coach. La solitude. Merci beaucoup. La solitude. Tu vois, quand quelqu'un va au bar, il peut vraiment acheter l'alcool et la bière et boire à la maison et payer 500. Mais pourquoi quelqu'un peut aller payer 3000 pour une bière qui coûte 500? Tu vois que le problème, ce n'est pas ce qu'on consomme, ce n'est pas la bière. Mais c'est l'expérience ou bien le problème qui est derrière, le problème de la solitude. Donc, en tant qu'entrepreneur, si tu peux savoir exactement le problème que tu es en train de résoudre, le problème que ton produit résout, un, tu sauras où vendre ton produit. Qui est en train de te chercher? Parce que cette personne qui a la solitude et qui cherche à se socialiser, à aller vers les autres, est déjà en train de te chercher. Tu es recherché par cette fourchette de personnes. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, quand tu comprends ce concept, ça devient très facile pour toi de créer un produit, un service, ou même un service, ou bien même monter une chaîne pour résoudre plusieurs services à plusieurs étapes. Parce que tu connais exactement qui est ton client. Et le contre de ceci, c'est que parfois les gens veulent généraliser. Si tu as un bar qui cherche à résoudre 3 à 4 problèmes que j'ai pointés, tu vas échouer. Parce que les clients qui ont ce problème, dès qu'ils viennent, tu peux te dire, mais attends, pourquoi les gens ne viennent pas et qui restent? Parce que les gens sont en train de venir avec un problème spécifique. Mais leur problème, ils ne rentrent pas étant vraiment, vraiment contents et connectés. Avec la certitude que oui, ça va. Parfois, nous pensons que si tu commences à résoudre ce problème et directement tu cherches à résoudre 3-4 problèmes, ce sera très facile. En effet, c'est un blocage dans les affaires parfois. Mais il y a ce que nous appelons le upsell ou bien le cross-sell. Qui est, si j'ai un bar, peut-être les gens qui visitent mon bar, peut-être ce sont des gens tellement frustrés et qui sont en train de chercher une atmosphère. Par exemple, calme et tranquille pour discuter. Peut-être ce que nous appelons les snack bars. Tu verras que la plupart du temps, les snack bars ont ce qu'on appelle le cross-sell. On fait des snack bars en bas des grands hôtels de 5 étoiles et 3 étoiles. Et ça marche. Parce que le même client, comme son concept d'être là, d'abord c'est de s'éloigner, avoir la tranquillité, avoir un endroit calme, peut continuer à prendre peut-être une retraite de repos.
Je suis en train d'illustrer de cette façon pour que tu essayes d'aligner cela avec ton projet, avec ton produit. Mais tu dois te focaliser sur la chose capitale, la première chose. Quand tu contactes ton client, quelle est cette chose distincte que tu portes avec toi? Si tu as 3-4 choses que tu montres au client directement, tu vas les perdre à tout temps. Parce que tu confuses le client. Souviens-toi que le client a un problème. Et le client peut-être s'est accroché à toi à cause de ce problème. Et la plupart du temps, nous ne savons pas exactement comment résoudre nos problèmes. C'est pourquoi nous allons vers les experts. Quand tu es malade, tu vas chez un docteur parce qu'il est un expert et tu sais qu'il peut résoudre ton problème. Quand quelqu'un a des problèmes ou bien une des douleurs ou un des problèmes dont tu résous, il vient vers toi parce que tu es un expert. Et quand tu vas vers un expert, si un expert ne résout pas ce problème de certitude avec son projet, produit ou projet, et te donne 3-4 propositions, il perd sa qualité d'expert. Imagine le docteur te dit, oh, tu peux prendre le Tylenol, ou alors tu peux prendre la ibuprofène, ou alors tu peux faire la chirurgie, tu peux te faire opérer, ou alors tu peux juste mettre de l'eau glacée avec le ice. Tu diras, mais attends, c'est quoi ce gars? Tu lui diras seulement, docteur, j'ai compris, laisse-moi réfléchir. Parce que tu as perdu la confiance. Il a brisé ce niveau de certitude. Tu n'es plus sûr de lui. En tant qu'entrepreneur, en tant que en tant qu'entrepreneur, les gens consomment tes produits, les gens viennent vers toi parce qu'ils savent que tu maîtrises la solution. Et quand tu leur donnes 2, 3, 4 propositions, tu perds ta place d'expert. C'est pourquoi j'ai demandé quel est exactement le problème que tes gens ont. Quel est exactement le problème que tu es en train de résoudre? Est-ce que tu sais comment résoudre? Est-ce que tu sais comment administrer les médicaments? Prends 2 comprimés 2 fois par jour, prends 1 comprimé par jour pendant 30 jours. Est-ce que tu sais administrer de la bonne façon? Coach Annabelle, go ahead and translate a little bit before I go so far, since I don't have much time left. Okay. So Raphael says that we must be able to be experts in our field. We don't have to give in too many solutions to a problem. So he started by saying, if you want to open a drinking spot, the question you have to solve is what pain will people that are buying from your solution? What pain will they be able to solve? Or what pain will your problem be able to solve? Lives. So are you to go to a particular thing? So they go to drinking spots because they want to reduce a particular pain. And to be precise, you need to give a reason why your drinking spot or your pop responds to their need. So some would need to change their state, the state in which they are, their environment. They would like to associate with others. They would like a place that is fun. Some would just like to forget about how bad they had a day at work. And so they are willing to pay about 3 times the price of a normal beer. So as a bar owner or as a pub owner, you must be able to have stewards that will make these customers feel relaxed, make them feel comfortable, talk with the customers. And so some bar owners
have to look, like some people go to bars because they want to find a girlfriend or they want to find a boyfriend. If you are a pub owner, you must be able to have beautiful girls. You must have pretty girls that are serving rather than have women that are a little bit aged or men that are serving in your pub. Because that's the reason why these customers are willing to pay three times the normal price of a beer. So the atmosphere there in such environments is usually different. And others go to pubs or to snack bars because they want to discuss business. They want to have intimacy. They want to have privacy. They want to talk on a one-on-one basis with their clients or with their customers. So they want to pay a bottle of champagne that normally costs 10,000 francs, they are willing to pay 150,000 francs for that. So people do not pay for the service or for the experience, but people do not pay for the service, but people pay for the experience. So we pay a price because we want to block a particular pain we are feeling or want to buy an experience which is pleasurable to us. And then he said, what is the pain that your customer had? It could be lack of connection. It could be lack of, it's just loneliness or solitude. So he says that other bars, like the one when you buy a bottle of champagne and there will be people singing your praises, people singing your name over the whole place. This is just because you want to solve a problem of loneliness. You want to solve a problem. You want to have that connection with people. And so he went on to tell us that if you want that for you to be a good entrepreneur, you must be able to what your Papi, ça va? So he says that if you know who your customer, if you know what your customer needs, then it is quite easy to be able to create a service or a product that will be able to solve their issues. And you can even create a chain of companies that will solve this issue. So he said, he went on to say another type of people or other people that have bars, it could be one that will, so he says that if you have a bar that solves more than three of these issues, more than three of the issues he has mentioned before, then you're doomed to fail because most customers want to get satisfaction from a precise need that they come into your drinking spot to have. If it's the need of connection, if it's because they want a girl, or if it's because they just want a quiet time to themselves. So you must have a specific need that you're solving to these customers. So he says there is what we call upsell and or cross sell. This is these are people who visit pubs because they are frustrated. So we usually see in snack bars. Look, why that's the reason why snack bars are located under hotels, because these people have they just want to break out from the normal. Sorry. Okay, so. I think she covered to an extent. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux aussi comprendre le système de ce qu'on appelle le système de wagon en entreprise. Ça veut dire que tu as un train, ta société a un train, il y a les wagons. Tu embarques un client, dès que tu résous son problème, tu l'envoies dans l'autre wagon parce que tu anticipes le prochain problème. Par exemple, comme on a commencé à illustrer avec les bars, que je finisse avec. Il y a des bars qui ouvrent le matin comme un bar. À midi, vers l'après-midi, ça devient le snack bar. Parce que ceux qui vont dans les bars, très tôt le matin, se forment le snack bar. Parce que les clients qui viennent en journée sont des clients qui veulent être, que ce soit calme, un environnement calme. Mais en soirée, ça devient peut-être beaucoup plus musicale, ambianceuse, parce que les gens sont en train de quitter du boulot et tout cela. Et après, maintenant, la nuit, ça devient la boîte de nuit. On ouvre la piste de danse et puis... Donc, tu vois, c'est un peu comme un train. Tu peux aussi penser à ton produit ou ton service de cette façon. Te dire que, OK, comment est-ce que les clients peuvent entrer? Et comment je peux anticiper le problème de ces clients?
étudiant au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une bonne une façon aussi pour l'entrepreneur de réfléchir en emballant ton produit ou en développant un produit ou un service. Si tu connais ton avatar et tu peux anticiper les problèmes du client, ce sera superbe. Peut-être la semaine prochaine, on pourra aller un peu plus deep, comme on n'a pas assez de temps aujourd'hui. Et pour que j'utilise aussi les illustrations un peu plus pratiques avec ce que nous sommes en train de faire, que tu sois dans la coiffure ou bien dans le service business, comme certains services que les gens ont mis dans le chat. OK, thank you. Quand je peux encore, je peux te faire une rallonge de 10 minutes parce que c'est trop intéressant. OK. Yes! OK. Coach, c'est un plus, m'a donné 10 minutes de plus. OK, vas-y, traduis, coach Annabelle, pour que je ramène ça maintenant terre à terre. OK, so I'll continue from where I ended. The coach was saying that if you have more than four things that you're offering to clients, it therefore confuses the customers and they are most likely to go away. So you can't be a doctor who is prescribing four different ways to treat a single illness. So the clients won't take you seriously. You must have a precise way to show your expertise to your customers. So he was asking the question that how do you know how to administer your treatment? That was a question he left us with at the first break. So when he came back, sorry, I wasn't following, but I noticed what I could get was that snack bars, usually during the day, they're a bit calm. So people who go there is because they just want a place that is peaceful, is quiet, but at night it's usually very busy with noise and a lot of drinking. So people go there in the evening that they want a certain type of ambience. And then he said next week he'll dive deep into the topic because he wants to deal with all those who wrote in the chat that they're doing hairdressers and all the other services that people are offering. But now Coach Semplice gave him 10 more minutes and he's so excited. Okay. I want somebody to tell me what he do for a living so I can use that to illustrate. I can break it down very quick. Tell me what business you offer or what service, and I can develop that very quick in 5 minutes. Le coach nous demande de okay, donner, coach Anali. De donner un produit ou un service qu'on offre pour qu'il puisse utiliser ça comme exemple. Coach Anani? Oui, merci coach, le grand coach Raphaël. En fait, ma main, c'était pas pour ça, c'était pour autre chose. Mais OK, alors je me lance. J'ai plusieurs projets avec plusieurs personnes. Coach Stéphanie, tu vas m'excuser, mais je dois donner l'exemple. On a un projet avec coach Stéphanie, par exemple, de mettre en place un magasin en ligne pour l'épargne, parce que coach Stéphanie a apporté un pagne dans une des réunions. J'ai trouvé ça extraordinaire, comme elle était majestueuse. Donc, on a un projet de mettre ça en place. Pour l'instant, on est encore au stade de discussion pour voir un petit peu dans quelle mesure, comment est-ce qu'on va aller. Mais on a une idée commune. Ça, j'ai remarqué aussi avec plusieurs, c'est surtout de prendre vraiment à cœur les femmes africaines ou ailleurs, de les élever, de leur passer un petit peu les enseignements que nous-mêmes on a reçus autant dans le développement personnel que l'entrepreneuriat, les femmes qui ont vécu des situations difficiles, qui sont délaissées, de déporter ces femmes soit dans le développement personnel que dans l'entrepreneuriat. Pour l'instant, c'est encore en discussion.
Mais en fait, si j'ai levé la main, c'était plutôt pour vous demander, s'il vous plaît, de reprendre les cosselles et puis l'autre, parce que je n'avais pas très bien saisi, en fait, exactement la différence. J'ai déjà entendu ces termes dans le marketing des réseaux, mais je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Voilà, merci. OK. Ok, je réponds d'abord à la question du cross-sell. Par exemple, quand tu viens dans une, quand Ali fait une conférence gratuite, quand les gens viennent, ils aiment la conférence. Je prends une conférence payante. Quand les gens viennent, ils aiment bien la conférence. Ils sont vraiment galvanisés. Nous savons que une conférence, malgré qu'ils sont contents et ils sont vraiment contents, ça ne peut peut-être pas résoudre leur problème en entier. On les invite à l'école des coachs. Donc, ils partent de 100 dollars à 1000 dollars. Et on a une année vraiment pour leur donner un résultat. Ça, c'est cross-sell. D'accord. Okay. La conférence et l'école des coachs est similaire. Maintenant, pendant l'école des coachs, comme ils sont en train de se former, on les vend les livres. Ça, c'est le upsell. D'accord. OK. You start the sell, you keep it. Tu anticipes le problème de ceux qui sont avec toi. Parce que, en réalité, si on ne le fait pas, ils iront chercher la solution ailleurs. Et une des choses qu'on a, par exemple, peut-être après l'école des coachs, il faudrait qu'ils aient leur peut-être qu'ils aient leur pratique. Oui. Il faudrait qu'ils aient leur pratique. Donc, directement, quand les gens sortent de l'école des coachs, on fait un partenariat avec eux pour les envoyer les clients. Parce qu'après, ils auront besoin des clients. Les clients prêts à payer déjà. Bien, écoutez, non. Ça continue le cross-sell. Oui. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris maintenant. Merci. Donc, on essaye d'anticiper. Quand tu as un client, tu essayes d'anticiper le problème de ton client. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, vous qui êtes ici dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens veulent une formation encore plus pratique et plus attachée. Ici, c'est gratuit. Mais nous avons créé le 365. Coaching programme pour les entrepreneurs seulement. Là où tu auras une vidéo chaque jour. Là, c'est payante. Oui. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de plus d'informations pour aller rapidement avec leur entreprise. Donc, ça, par exemple, tu vois, c'est le sel qui commence. Tu anticipes les problèmes de ton client à l'avance. Okay. Le client vient, voici les problèmes, voici les douleurs que j'ai. Tu dois essayer de résoudre ça et anticiper l'autre problème directement. Tout à fait. Et anticiper encore l'autre. Nous travaillons par exemple maintenant avec les banques, certaines banques africaines pour les crédits. Parce que beaucoup après ici diront, j'ai besoin de 100 000, de 100 millions ou 10 millions, 20 millions pour un projet. Nous devons anticiper cela. Donc, on va de l'avance, on négocie. La banque nous dit, OK, si ton projet est comme ça, tu peux me garantir ceci, cela. On te donne les 100 millions. Donc, on anticipe pour que si quelqu'un est à la retraite, il se forme, il développe son projet. On ne doit pas attendre qu'il vienne dire, oh, j'ai des problèmes de finances. Non, on doit anticiper. Et c'est là où le cross-sell arrive. Maintenant, on peut dire aux gens, on peut te trouver les finances jusqu'à 10 millions dans telle banque, mais tu dois nous payer 2 000 dollars ou bien 1% ou 2% de commission pour cela. OK. Donc, tu trouves la solution au client ou à quelqu'un pour un problème qui est déjà devant lui. C'est comme ça que l'entrepreneur doit réfléchir. Ouais. Et c'est là où il y a les upsell et les cross-sell. Yeah. Merci, grand coach. Superbe. Merci.
Est-ce qu'il y a encore un exemple de projet? J'aimerais un produit, parce que le produit, on peut démontrer très rapidement et facilement. Si tu as un produit que tu vends, que ce soit un savon ou bien les mèches, ou... ouais, Gaël vend souvent les mèches. Gaël est là. Je peux... OK. Qui a un produit? Un produit. Bonsoir, coach. Bonsoir, Cindy. Tout le monde partage qui m'est venu lors de la réunion de Ali Cameroun avec le coach Patricia. Et ce projet actuellement, c'est vrai, je suis d'abord à la base cosméticienne coach et je fais dans les produits cosmétiques. Et une autre vision m'est apparue ce jour et jusqu'à présent, je suis en train de vouloir le développer. Et dans le projet, en fait, c'est quoi, coach? Donc, j'aimerais, et j'ai aussi eu beaucoup d'assistance avec coach Stéphanie aussi. Donc, le projet, en fait, ce n'est pas, j'ai pas encore mis sur pied. Je suis encore en train de travailler, de voir si c'est possible et d'acquérir beaucoup d'enseignements ici au Brainstorming pour voir si je peux mettre ça sur pied. Donc, le projet, c'est quoi, coach? C'est, j'aimerais, je prends un tricot, par exemple. Sur le tricot, il y aura une photo peut-être de moi, mais pas en étant souriante, mais en dégageant une certaine énergie. Ça ne va pas dégager la tristesse ou peut-être de la joie, mais ça sera le combiné des deux. Et en cela, ça, j'aimerais, à travers cette image, ressortir chaque phrase sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business. Donc, chaque phrase qui, ces phrases sont les enseignements que je reçois ici, et surtout au niveau de la femme. Donc, j'aimerais mettre sur ce tricot qui contient cette image qui reflète et la tristesse et la joie, le combiné de cela. En dessous, il y aura une phrase qui exprime le changement, les valeurs, et aussi donc, plein de choses que j'ai appris ici à travers plusieurs retraites, à travers même les séances de brainstorming. Donc, c'est un peu ça la vision, coach. Donc, je ne sais pas, je suis encore en train de travailler cet esprit. Donc, je ne sais pas, j'aimerais que vous essayiez de m'expliquer, je ne sais pas, de m'aider dans toutes les formes. Cindy, dis-moi. Dis-moi, Cindy, quel problème? Chaque produit doit soit bloquer la douleur ou donner le plaisir. Pense de cette façon. Quel qu'en soit ce que tu fais, quels qu'en soient tes actes dans la vie, ça doit te donner le plaisir ou bloquer la douleur. Il n'y a pas de in between. No. Pain. Stop pain and get pleasure. Maintenant, ma question à toi, c'est quoi? Quel est le plaisir que ce t-shirt pourra donner aux gens? Ou alors, quelle est la douleur que ce t-shirt pourra bloquer? Le plaisir que ce t-shirt va donner, c'est d'abord que j'aimerais que ce t-shirt apporte, que les gens sachent que parfois ils méritent de savoir qu'ils sont eux-mêmes les problèmes et qu'ils doivent eux-mêmes se développer personnellement et qu'ils sachent qu'à l'intérieur, ils espient les gens. Donc, qu'ils ne prennent pas cela, qu'ils ne se disent pas qu'ils ne sont pas nés pour être là, que leur vie soit peut-être terminée et tout. Et maintenant, la douleur, j'aimerais que ce tricot me révèle comme douleur. Je ne sais pas, comment expliquer cela. OK. Laisse que je t'aide un peu. Une seconde.
Je veux que chacun me donne peut-être un de ses célébrités ou quelqu'un qu'il aime dans la vie. Mais dans le chat room. Là qu'on essaie de résoudre ce problème très rapidement pour que Cindy comprenne. Si tu portes la Jordan, quand tu entends la Jordan, tous les fans de Jordan suffisent. Oprah ou Beyoncé. Si j'avais un t-shirt qui dit Oprah, cette personne qui aime Oprah pourra même acheter à cause de Oprah. Ce n'est pas le t-shirt que la personne va acheter. Parce que le t-shirt Oprah, c'est la même fabrique, mais à cause de Oprah, qui me fait me sentir bien, je peux payer 25 dollars pour ça. Et tu me vends le même t-shirt blanc sans Oprah dessus, je ne pourrai pas acheter. Si j'aime Eto, tu mets Eto derrière un t-shirt, je te donne 25 000 ou 10 000 ou 15 000 pour ça. Si j'aime trop le Seigneur Jésus-Christ, tu mets in God we trust. Je crois en Dieu. Je vais acheter à 20 dollars. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne veut rien dire pour lui. Ça n'a pas d'importance. Si j'aime l'équipe, le lion indomptable, tu mets lion indomptable sur un t-shirt, je vais te payer. Ce n'est pas le t-shirt que j'achète. Mais c'est l'émotion que j'ai avec le lion indomptable que je paye. Si maintenant, c'est pourquoi les t-shirts que les gens vendent, ils ne vendent pas l'habit, les vêtements. Ils vendent l'émotion qui est attachée à ce brand. Ils vendent l'émotion qui est attachée à cette célébrité. Ils vendent l'émotion qui est attachée ou ils vendent le message. Donc, j'aimerais que tu essayes de réfléchir de cette façon, Coach Cindy. C'est très bien, c'est très bon, bien pour... C'est une bonne idée. C'est pourquoi beaucoup de sociétés qui vendent les gadgets, parfois, travaillent avec l'endossement des célébrités, l'endossement de certains gens importants que les gens aiment parce que les gens ne payent pas la matière. Ils achètent l'expérience. Ils payent pour l'émotion. Ils payent pour ce que cette chose doit les faire ressentir. C'est pourquoi ils payent. Pourquoi est-ce que nous, on paye les choses Louis Vuitton? C'est un sac, mais c'est le nom, c'est l'expérience, c'est l'émotion. Et maintenant, le back-end, ça nous donne la connexion. Quand je porte un t-shirt Michael Jackson, ça fait de moi quelqu'un d'important. Connexion. Tous les fans de Michael Jackson me remarquent. Et ça remplit mon besoin de significance. Quand je porte la Nike ou la Jordan, je suis associé avec Michael Jordan. Ça me donne une certaine valeur. Au lieu de porter une tennis qui n'a pas de nom, sans griffe. Donc, en créant un produit, tu dois réfléchir, tu dois penser de cette façon. Les gens n'achètent pas le produit, en effet. Ils achètent l'émotion, ce qu'ils ressentent, ce que cette chose les fait, comment cette chose les fait se sentir. Pourquoi quelqu'un peut laisser une voiture avec 4 roues qui s'appelle la Renault, qu'on vend à 15 000 euros, bref, neuf, pour aller acheter une Mercedes, 4 roues, même vitesse, tout, à 150 000 euros? Bonjour, Vassar. Ce que le produit fait sur toi, l'expérience, ce que tu ressens quand tu as ce produit.
Coach Sandy, je pense qu'on n'a pas assez de temps vraiment. Et je pense que ça peut un peu t'aider. Avant que tu ne fasses des t-shirts, il y a plein de gens qui ont imprimé les t-shirts avec les bonnes choses dessus, mais personne n'a acheté. Tu vas même à 1 $, on n'achète pas. Parce que ce n'est pas la matière qu'on veut. Et nous, les êtres humains, nous sommes comme ça. Les vêtements que nous mettons sur nous, nous sommes attachés à nos vêtements émotionnellement. Oh. C'est pour acheter les griffes. Non. Parce que ça te donne un genre d'émotion différent. Ça te fait te sentir différent. Tu achètes une montre. Merci. Pourquoi tu achètes une montre de 3 000 $, de 500 $, alors qu'il y a les montres de 500 francs qui peuvent te donner le temps et tout, émotion, ce que tu ressens, et qui descend maintenant dans les besoins humains. Ça te rend important. Ça te connecte avec les gens d'un certain niveau de vie. Donc, tu dois toujours te demander qu'est-ce que mon produit apporte aux gens? Qu'est-ce que mon service apporte aux gens? Est-ce que ça répond au moins aux 4 premiers besoins humains? Maintenant, ça répond aux 4 premiers besoins humains. Quelle est l'émotion que les gens ont en achetant mon produit? Parce que c'est l'émotion que les gens payent. C'est ça qui peut faire la différence que quelqu'un garde sa voiture, traverse plusieurs restaurants et va payer 4 fois le prix d'un poulet pour un petit poulet. Expérience. Même chose pour les vêtements, même chose pour les produits, n'importe quelle chose, l'attachement, c'est l'expérience. OK. Thank you, guys. Je pense qu'il faut que je m'arrête à ce niveau. Merci, coach. On continue dimanche prochain. Merci beaucoup, coach. Merci, coach. Coach Annabelle, tu peux faire une traduction? So, I'll start from where Coach Anani says she would like to know the difference between a cross-sell and a upsell. So, Coach Rafa gave the answer that when Eileen does a paid retreat, people are galvanized, but we know they haven't had the full knowledge or they haven't had the full experience which they expect to have. So, we invite them to the coaching school. And that is cross-sell. And upsell is while they're in the coaching school, we know that they'll definitely need support, like they'll need documentations to be able to meet up with the way the lectures or the way the teachings are done. So we sell them handouts for the coaching school. And as they leave the coaching school, we give them opportunities that they can have clients that they can coach because they're here to be able to learn and able to make money out of it. So we give them the opportunity to have customers that they can coach and make money out of it. So cross-sale is about anticipating your clients' need. And most of us here have a need that we want to rapidly We want more information to rapidly meet our endeavors. We want to be able to meet our needs very fast. That's why we are on this platform this afternoon where we are learning how to be entrepreneurs. And so we have put together the Entrepreneur 365, which is about coaching you every day on a daily basis so that you can learn fast and apply and be meet up with the speed or meet up with wherever you want to be. So he also said that cross-sell is anticipating that people could have a need. For instance, you see that people will later need finance to be able to finance their projects, and you go on to create partnership with banks that can be able to give loans to your people or to us on this platform so that we can start our businesses. That's anticipating the problem. And then he also said that you could go and create these partnerships and say, for instance, if the person needs 10 million francs, and then they'll have to give you maybe $2,000 to be able to have that 10 million francs. That's just about cross-sale, anticipating someone's problem and making sure that person has the solution when they need
that solution. Lindsay came up with experience in cosmetics, but right now she has a project which she wants to do, a t-shirt with her image on it. This image of her will neither be smiling nor frowning. She'll just have a normal face, but this will be, this t-shirt will also have a slogan or one of the teachings, one of the phrases she's gotten from this platform. This is mostly to encourage ladies. This is just to make ladies, because Coach Rafa, she said she really doesn't know how to explain or how to go further, but Coach said each product that you present to the market must either bring pleasure or pain to the consumer or to yourself. So what is that thing that you're bringing? What is that pleasure you want to bring to your customers? And then she said that she wants to be able to block pain. Like, she wants to be able to empower people to tell them that you're the only person that can stop yourself. You're the only person that can make yourself to get yourself out of a particular situation. So Coach Raphael came and said, if you had a t-shirt saying, for instance, Oprah, many people will buy, not really because it's expensive or because it's cheap or because of the quality. They'll buy because of the affection that they carry for Oprah. Or if you have a t-shirt which costs 25,000 francs with it written "Et Fils" or "In Christ We Trust," many people will buy because of that emotion or the affection that they have towards the brand, or because of the message that you're sending across on that t-shirt, because it's a message that they are familiar to. So he encouraged that it's a great project. And he says that many brands do not, like people do not buy a brand for the experience, but people buy the brand for the emotion that they have towards that brand. And it also, this also leads to the connection and significance, because some people will buy, some people, he went on to say, why do people wear expensive watches when you can wear an actually, one that is actually very cheap and it'll give you the same time and the same location or whatsoever watches give? Or why do people buy, instead of buying a very cheap trainer, people go and buy a Michael Jordan one? It is simply because this gives them the feeling of importance, and it gives them a connection to other people that usually wear, or people that identify themselves to this brand. So he says that it's more about the emotion that the product gives to human beings. Like, you would see someone, instead of buying a Renault that costs 15,000 euros, they'll go and buy a Mercedes that costs 150,000 euros. It's simply because of the emotion or the feeling that they get when they sit in that car, or when they ride in that car. It's just about the emotion, and it's most feeling, or it's mostly related to the six. Main human needs, and you must be able to know whether it responds. Yeah, whether it responds to at least four of the human needs. And with someone, so he said, you have to also make sure that the experience that your product or your service is giving is unique, so that someone can be able to maybe park their car on one side of the road and they don't mind walking a good mile or two to your shop, so that they can get that experience. That's what I could get from the coach this afternoon. Thank you so much, Coach Sam, please. Merci beaucoup, Coach Annabelle, pour cette brillante traduction. Vraiment, je vous prie de démuter les vos micros et d'acclamer le coach Raphaël comme il se doit. Vraiment, mille merci, coach. Merci, coach. Fantastique, coach. Super. Le coach entre véritablement dans la pratique. Et c'est ce que merci, coach. Des leaders qui sont sur ce forum. Merci, Alors, si le coach a encore
une ou deux, encore un peu de temps, est-ce qu'on peut prendre deux ou trois questions pour achever les enseignements de ce jour? Coach, vous disposez encore du temps? So, like we said earlier, Coach Raphael is getting into the practical part of this whole entrepreneurial journey, and we'll plead with him if he has 2 minutes, we could take two questions. So I see the hand of Coach Eli raised. Coach Sam, please, could he ask his question? Oui, Coach Eli, vous avez la parole. Bonsoir, okay. Coach. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi à Coach Raphaël. Bon, je suis tellement content. Premièrement, je suis fier d'être africain. Aussi, je suis fier d'être iLead. iLead m'a ouvert vraiment les yeux dans beaucoup de choses. Et tout particulièrement, ce que le coach Raphaël vient de nous enseigner. Vraiment, je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas de telles connaissances, comment il peut avancer dans son entreprise ou dans tout ce qu'il peut faire. C'est vraiment intéressant. Bon, je n'ai pas du tout la question à poser à coach Raphaël, mais c'est que je lui donne juste des félicitations d'avoir ouvrir son cœur à nous donner de tels enseignements. Vraiment, je suis fier et vraiment, je souhaite d'avoir un entretien personnel avec coach Raphaël dans les jours à venir. En tout cas, coach Raphaël, en tout cas, c'est vraiment fantastique. Merci, coach. Merci, coach. So, Coach Eli says something. Yeah, merci, Coach Eli. No, go ahead, please, Annabelle. Okay, so Coach Eli says good afternoon. He has no questions, but to say thank you so much because since he's on this platform, he's excited, he's happy to be an African, he's happy to be part of iLead because iLead has opened his eyes to so much. Since he's on this platform, he has learned a lot because with the knowledge he's gotten from here, he's just wondering, if people don't get this knowledge, how can they make it in their endeavors, in their entrepreneurial journey? So he's saying thank you and he's hoping to have a one-on-one with the coach one of these days. Merci, coach Eli. En effet, tu peux entrer en contact avec que ce soit coach Simplice ou coach Mike et on pourra entretenir. Notre objectif, c'est vraiment booster les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs africains. Nous pouvons faire beaucoup de choses, tellement de choses. Parfois, c'est juste la bonne stratégie et la bonne façon de voir qui manque, mais je suis très, très, très disponible. Merci encore. OK, je suis en contact avec coach Mike chaque fois. Donc, je suis vraiment en contact avec coach Mike. OK. Merci. Donc, il pourra prendre un rendez-vous et on aura le temps. OK, merci. OK, formidable. Pour le mot de fin, dans le coach l'a dit lui-même, c'est souvent la stratégie qui nous manque pour pouvoir faire des grands business. Et il l'avait dit dans ses enseignements aujourd'hui, lorsqu'on veut vendre un produit ou un service, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Quel problème est-ce qu'on cherche à résoudre dans la société? Est-ce que notre produit va permettre de bloquer la douleur ou alors de donner du plaisir? C'est des questions qui devraient être au centre des stratégies que nous menons lorsque nous voulons vendre un produit ou un service. Et ça va permettre que les entreprises soient des entreprises à succès, que ce soit des entreprises florissantes et qui savent toucher leur clientèle parce qu'elles savent exactement quels sont les besoins et quoi toucher. Vraiment, merci encore, coach, pour ce magnifique partage de ce dimanche. Et on va passer la parole tout à l'heure, après la traduction d'Annabelle, au coach Mike. So
It's always a great pleasure to be here. We've learned so much today. It's always very important to know your strategy and to know what you're lacking in when you want to start a business. Because when you want to start a business, you must know what your product or your service is. You must know what pain you want to solve for your clients. And you must know who your client avatar is. So it's been an interesting an awesome afternoon, and we'll hear directly from Coach Mike. Alors, est-ce que le coach Mike est là? Est-ce que nous sommes prêts pour l'accueillir? So are we ready? Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour l'accueillir. Très alors, prêt, coach, très Mike prêt. Dans un tonnerre d'applaudissements. Coach Mike! Coach Mike! Coach Mike! You're welcome! Yes, Coach Mike. Welcome, Coach. Yes, yes, yes. The Coach Mike n'est pas là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Coach. Bonsoir. Merci, merci, Coach Simplice. Je ne vais pas forcément vous abuser de votre temps. Je vais dire, allez savourer les enseignements et on se retrouve dimanche prochain. Merci. Merci. Merci, merci coach. Merci, coach. Une question, coach Mike. Merci, coach Mike. Merci. Bon, vraiment, nous arrivons au terme de notre session. Nous avons pris 5 minutes en plus, mais je pense que c'était pour cet échange aussi chaleureux, aussi gratifiant. Et merci encore, coach Raphaël. Merci, coach Annabelle, pour cette brillante traduction. Merci à vous tous qui avez mis de côté vos activités pour être avec nous encore ce dimanche, le dernier jour du mois de février. Et je vous souhaite un bon début de mois de mars, que tous les enseignements que nous avons reçus, qu'on les mette en pratique pour que nos différentes entreprises soient des entreprises à succès. Merci à tous et bon dimanche. Coach Annabelle. Merci. 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 Coach Simplice, a great Sunday. Thank each and every one of us that put away all what we had to do to be on this platform today. Thank you. Today is the last Sunday of the month. And we look forward to a blessed new month from tomorrow. So we are hoping to see each and every one of us healthy and strong with their businesses ready to start to put into action all that we are learning on this platform. So we look forward to seeing all of you next week, Sunday. Thank you so much. Have a great and a blessed Sunday. Thank you. Okay, bon dimanche à tous. Et à dimanche. Bon dimanche, coach, s'il te plaît. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci, bon dimanche bon à dimanche. Tout le monde. Et merci pour tout. Merci pour toutes ces idées. C'est grave. C'est un big time de l'intervention team. Merci de vous conseiller.